Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un vlog. Alors, ce n'est pas un vlog mère-fille comme ça pourrait le laisser penser, mais c'est un vlog sur un week-end que nous avons passé, un week-end très agréable. Alors, vous allez, après avoir vu la table du restaurant, après avoir vu ma fille et moi, vous allez voir les plats que nous avons mangés. Alors, pas tous, parce que nous étions 10 et que j'ai pas tout filmé. Il aurait fallu que je me lève, etc. Ça aurait été compliqué. J'ai juste voulu vous partager un petit peu de notre week-end, en fait. Voilà, de ces quelques jours qui m'ont fait du bien. Pour moi, il n'y a rien de mieux que de se ressourcer en famille. Donc, je suis allée retrouver mes parents avec mes filles, mon homme. Et on s'est vraiment fait plaisir à se retrouver autour d'un bon repas, déjà pour commencer à rire, à se détendre. Voilà, ça, ça fait du bien. Il n'y a rien de mieux que ça. À l'heure où beaucoup de choses se passent sur les familles qui se divisent, pour des choses qui ne sont pas essentielles, même si ce sont des choses qui sont importantes. Voilà, je trouvais que c'était bien de vous partager ça, vous partager le bonheur que nous avons partagé nous-mêmes entre nous. Voilà. Donc, nous avons partagé un bon repas, ça a pris du temps, on a bien rigolé, on a bien blagacé. Il s'avère que je devais retrouver mes parents avec ma petite famille et puis deux de mes frères se sont aussi incrustés, donc ce qui fait qu'on était nombreux et c'était plaisant. On a bien mangé aussi parce qu'on a trouvé un petit resto vraiment très sympa et puis comme d'habitude on a partagé des moments sympas et simples. Voilà. Alors vous allez voir un petit peu les desserts aussi que nous avons mangés parce que oui, quand on va au restaurant, en général, on essaye de se faire plaisir sur des choses qu'on ne mange pas le reste du temps ou peu, sur des choses voilà, qui nous font envie, qui nous font plaisir. Voilà. Sortir, se détendre, c'est aussi se faire plaisir. Ensuite, on a passé le reste de l'après-midi chez mes parents avec un jeu de cartes, tout simplement. On s'est détendu, voilà. Un jeu de cartes, c'est le nain jaune. On a joué un petit peu à la belote. Et puis comme les enfants, tout le monde ne pouvait pas jouer, du coup, on a fait un nain jaune parce que là, tout le monde a pu jouer. C'est un jeu très simple, mais vraiment très agréable. Et c'est surtout l'occasion de passer un moment très sympathique, tous ensemble. Et voilà, et on a ri parce qu'on est une famille où on aime bien rire, où on aime bien se détendre, où on aime bien partager des moments ensemble, des moments trop rares avec mes parents malheureusement, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, on a pris du plaisir, voilà. Et vous reconnaissez ma fille, celle qui fait des vidéos avec moi maintenant, qui s'entend super bien avec sa grand-mère, et ça c'est toujours aussi des moments agréables à voir. Elles s'entendent toutes d'ailleurs très bien avec leurs grands-parents. Et ça fait vraiment plaisir, cette entente qu'il y a entre nous tous. Voilà, alors là c'est un moment éclat de rire. Ça a fait vraiment, vraiment du bien. Et quand je vois ces images, je m'aperçois que ma mère ressemble terriblement à sa propre mère, ma grand-mère, donc la seule que j'ai connue. Et que donc je vais finir comme ça aussi. Voilà, donc vous avez un petit peu mon futur visage dans 20-30 ans. Voilà, et ensuite on a ramené tout le monde à la maison et on est reparti avec mon homme, un amoureux, pour un spectacle qu'on avait réservé depuis un moment. Donc on est allé sur Toulouse et alors on est allé manger chez une amie, on a passé un très très bon moment aussi. Et puis ensuite, là, on partait au Casino Barrière Toulouse. Pas forcément pour le casino, même si on y a fait un petit passage, mais surtout pour un spectacle donc que l'on avait réservé de Roland Magdan. Je dois vous dire qu'on a bien ri, ça fait du bien aussi, ça nous a bien détendu. C'était un peu court malheureusement. Et ensuite, il a fallu eh bien, rentrer chez nous. Voilà, voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous remercie de me suivre, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.